Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de Warlords of Draenor. Et nous sommes partis, donc on était arrivés... Alors du coup, ça s'appelle comment au final? La jungle de Tanan, d'accord, ok. Donc il était la péninsule des flammes infernales. Et je crois que dans la vidéo précédente, j'ai dit des plaines infernales. J'ai eu un petit bug de langue, ça arrive, de langage. Et donc du coup, on est parti, on continue nos quêtes tout simplement. Donc si vous voulez vraiment voir plus d'infos, je vous invite à quand même regarder la vidéo précédente. Parce que du coup, ça, si vous prenez de cours comme ça, ça va être un peu le bordel. Nous ne pourrons pas nous terrer éternellement ici. Ok. Suivez-moi de près. Parfait, bah écoute, moi je te suis, y a pas de soucis. Je regarde juste. C'est sans doute un piège. Mais quitte à mourir, que ce soit avec honneur. Alors attendez, parce que du coup j'ai changé les jambières. N'a aucun sens de l'honneur. Et du coup, 33, corselet, il a été changé. J'ai changé les deux, j'ai changé les jambes et les. Et le haut. Ah ah! Kargat, Kargaf ou Kargat. T'énerve pas comme ça, mon gros. T'énerve pas. Ouais, ça va chier quand même. Oula, attendez deux. Hop, on va s'y remettre. Voilà, sélectionnons bien nos cibles. En fourbe quoi. Voilà. Ça j'aime bien. Je suis aggro par qui? Bon. C'est vraiment le plan, la con ça. C'est bon? Je pourrais vous regarder combattre pendant des heures, bande de rats. Tu veux te calmer, ouais? Désolé, mais nous allons clairement manquer de temps. Tous avec moi! Fuyons! Ça ne fait que 99, sorcier. Alors j'imagine que nous vous en devons encore un. Poursuivez-les! Ne les laissez pas s'échapper! Vite, dans la grotte, avant que la glace ne fonde. Avant que quoi? Que la glace ne fonde? Pourquoi est-ce qu'il parle de glace? Le petit groupe, quoi. Allez. Dame Liadrine, allez explorer la grotte avec Colin. À vos ordres. Coucou petit. Ça va? Ok, donc tu es Ungra le sous-chef. Ok, d'accord. Ces terres sont rudes et sauvages. Putain, c'est bon. Ça ressemble à quoi? Oh putain, c'est trop violent. Oh, j'adore. J'adore. Ah, c'est top. Alors, ok. Parfait, j'accepte. Combattez avec honneur. Ouais, pas de soucis. Oh, j'adore. Je trouve ça trop trop fort. Pourquoi je descends pas du tout ça? Ah.
J'arrive pas à savoir s'ils ont une grosse vie ou pas. Ça va. Ça passe encore. Alors par contre, boostifions un tout petit peu parce que sinon ça risque d'être un peu risque, un peu chaud patate. Alors, je prends un coup moi pendant ce temps-là. Alors par contre pour le coup, donjon héroïque, ouais, donjon spécifique. World of Draenor, d'accord, Mist of Pandaria, je peux tous les faire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à faire les trucs, quoi? Parce que quand on regarde, là, je vais rien loot de plus que je chope maintenant, donc ce serait con de les faire, quoi. Alors, par contre, des raids, pourquoi je peux rien faire? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, non, effectivement, je peux rien faire avant le 394, c'est ça? 393. Et j'en suis à combien, là? Ah bah si, pourquoi je peux pas le faire? Pourquoi je peux pas le faire? Vous voulez obtenir... Ah oui non, putain, c'est oui, actuellement, ok, donc 460. Ok, et le scénario? Utiliser la file d'attente pour un scénario héroïque... Les astres vénérables... Ouais, bah oui, on verra ça plus tard, de toute façon, là, je vais attendre d'avancer un petit peu, de voir le fief et tout ça, tout ce que propose la nouveauté de World of Warcraft. Et une fois que ça sera fait... Allez! Donc ça c'est bon, maintenant faut que je tue les généraux, c'est ça? Enfin les maîtres de l'ombre, ouais, ok. Salutations, voyageurs. Allez en compagnie de la terre. Parfait, excellent. C'est classe. Moi j'aime bien. Alors par contre, ils sont où les trucs là? Sous-chef tué, ok. Toi le sous-chef? Ah non, c'est là le sous-chef. Allez, meurs, charogne! Ah, je me disais, putain, j'avais pas en plus devoir tuer son machin quand même. Ça aurait été triste. Alors le deuxième. Oula, pourquoi j'ai plus de map? Ah ouais, je comprenais pas pourquoi je n'avais plus de map. Comment l'autre là? Comment tu vas sur le troisième? Là, ici, là. Attendez, je crois que j'ai compris. Oui, c'est ça, ok. Voilà. Qui va là? Oh, quand
contente de ne pas être la seule à combattre ces monstres. D'accord. Dépêchons-nous. Ces orques ombre lune sont sous les ordres d'un certain Ner'zhul. Ok, bah écoute. Maintenant que ses commandants sont morts, Ner'zhul va sûrement nous chercher. C'est sûr. Et tu veux quoi? Tu veux qu'on y aille? Bon, bah go alors. Il remonte par où comme ça? T'es pas mort toi? Ah, d'accord, c'est malin. Je vois vos amis dans la salle là-haut. Je pense que je peux m'y rendre sans problème. Bah, parfait, vas-y. Vas-y, autant que tu veux, y a pas de problème pour ça. Oui. Oui. Gardez le cap. Ah ben. Ah. Je ne partirai pas sans les autres. Baladash, il reste des lieutenants de Ner'zhul un peu plus loin, d'accord. Je vais faire demi-tour pour prévenir Gadgar. Oh la vache. Que la caverne est dégagée, nous nous retrouverons dès que nous vous serez occupés de Kil'dan. Ok, accepté. Gardez la tête. Le Draenei et moi allons retourner voir Khadgar. Empêchez l'orque d'ouvrir le portail. Nous reviendrons avec des renforts. Ouais, si tu veux, y'a pas de soucis. Bon. Tant pis. Alors, c'est pas tout ça, mais comment je joue le portail en fait? Ok, mais il est là et j'y vais comment? Ah ben, ceci explique cela. Coucou! Qui venait d'au-delà du portail, vous ferez un merveilleux sacrifice. Ah ouais? Pourquoi t'es méchant comme ça? Pourquoi tu veux pas être juste sympa? Non, tu peux pas être juste sympa? C'est pas possible ça? Le vide vous consume! Wow, 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 wow. Oh putain, fais chier, attendez. Évidemment, si j'utilise ça, il repop. Ok, génial, super. Ah là là, ça va me faire chier, je le sens. Quand tu veux. Venez d'au-delà du portail, vous ferez un merveilleux sacrifice. Ah, le vide vous consume. Ouais. Et comment j'arrête cette merde là? Non, défonce-le. Oula. Pathétique. Fini de courir, bande de rats. Pas si vite, Ner'zhul. Je ne suis point seul. Oui, approchez. Je vais vous enterrer vivant pour la horde de fer. Gadgar, sortez-nous d'ici. Là-bas. Ah non, voilà, c'est bon. Ah bah j'étais un poil du cul de... Ouais, je confirme, ouais. Pas de retour en arrière. On continue. Droit dans la gueule du loup. C'est parti. Ah. Coucou. Coucou. Il y a beaucoup à apprendre en ce monde. Loctar, héros.
trop fort. Là, oh. On va être full équipé en fait. il nous équipe le minimum setup. Yeah. Ah mais sinon je suis con, c'est pas ça que je... c'est. Ah oui mais attendez. Bah non, j'ai pas encore fini la quête, abruti. Oh putain mais je fais des conneries. Arme roche noire, ok d'accord. Ah, ils sont top, hein. Voilà. Pas les embêter plus que ça, juste prendre ce que j'ai besoin. Voilà. L'idéal, ça serait que je trouve encore des. T'en as deux là. T'en as un là-bas, non? Là dans le fond, t'as... oui, voilà. Le râtelier, oui c'est ça, il suffit de retrouver le râtelier et puis normalement c'est bon. Encore deux râteliers, ça devrait le faire je pense. Voilà. Il n'y aurait pas encore un petit râtelier quelque part là? Non? Ça ferait chier, juste les tuer eux là comme ça pour... Ah merde! Je pensais qu'il allait mourir plus vite que ça. Fuck. Viens ici. Et merde. Ça c'est chiant. Quoique non, en fait c'est bon, c'est fini. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. J'ai plus qu'à aller le rendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il? Ça va? Marade. C'est fou de voir des... L'Octarogar, mon ami. Debout, loup de Gif! Il est temps de venger la mort de votre chef et de laver l'honneur du clan. Ouais. Vas-y. Ok alors. Du coup, les spalières. Voilà, c'est bien mieux ça. Donc je passe de quoi à quoi? Le 684, ok d'accord. Et le 400, ok. Cet endroit ne m'inspire. Tu es 15 heures que je suis là. Ok. Azeroth. Oula. Black Hand. Quelques esclaves face à la machine de guerre, Roche Noire. Roche Noire. Écrasez-les. Aïe. Suivez le commandant sur le champ de bataille et attendez mon signal. D'accord. J'ai un plan. À vos ordres. Oula, grand bébé ça.
putain, de la baston là. C'est bien, tu te baisses et tu ramasses les pièces. J'ai la confiance en moi. Bon mes amis, quand faut y aller. J'ai juste la chance d'avoir, de pas être tout seul, voilà. Ça me va un coup. Voilà, voilà. Alors ça donne quoi là? 15 secondes. Voilà, 15 sur 15, il me manque encore un gros machin comme ça, c'est parti. C'est parti mon kiki. Merde, qui s'est passé là encore? Attends, je ramasse ça, bouge pas. Par là, par moi. Ok. Ce monde a besoin de vous. Oui. Vas-y, fais tout péter. Fais rentrer l'eau. Enfin, je crois que c'est ça qu'il veut faire, non? C'est ça, c'est un barrage, il fait péter le barrage. Yeah! Malin! Malin, que c'est là. Oula, oula, il y a eu un petit souci de. Ah! Bon ben voilà, maintenant qu'il a fait tout péter. C'est bon ça, c'est bien! Il est malin! Vous devez écouter la terre. Ça va? Eh bien, je dirais que notre action a eu un certain impact. Ouais. Vous m'offrez une chopine? Ah oui, non, ça je vais garder là. Ouais, peut-être réparer, non? C'est cool qu'on met les réparations là? Oh, ça va encore. Portez-vous bien. Adieu alors, parlez-moi. Surveillez vos arrières. Ok. Ah!
Viens, meurs. Ça, c'est fait. Attention, un baril volant. Alors par contre, où est-ce qu'il est là? Et voilà. Oh oh, patience. Kaboom. Le vol de l'orque. J'ai bien aimé, Portez-vous bien. Salutations. Adieu alors. Allons bon. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ouais. Ok. Finis cette ruine. Je pourrais tuer une centaine de ces porcs rien qu'avec ces pelles. Ok, d'accord. T'as l'air bien confiant, dis donc. Voilà, ça c'est fait. Vas-y, libère-toi. Libère la fureur du guerrier. Faites-les souffrir. Enfin. Par l'esprit de mon père, ils vont le payer. J'en fais un serment. Vas-y. Mais avant ça, il faut que j'aille me laver les mains. Je vous rejoindrai à votre camp. Ok, d'accord. C'est cool, c'est cool. Ah, j'ai pris une masse dans la tronche. La lutte continue. Les esprits vous accompagnent. Et les amis, nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se dit à très très vite pour la prochaine, pour la suite, bien entendu. Et à plus tout le monde. Salut, salut!